Hola, benvinguts i benvingudes a aquesta nova edició de B2A, From Business to Audience, al nostre canal d'Europa Creativa Mèdia Catalunya. La Berlinale començarà el proper 10 de febrer amb la pel·lícula inaugural Peter von Kant, una revisitació lliure de Fassbinder realitzada pel cineasta François Zon. Ens ha semblat molt adient aprofitar l'estrena recent de Todo y Dovien amb Sophie Marceau i André Dussolier per entrevistar François Zon de la mà de la seva distribuïdora de capçalera Espanya, Golem, a qui Medi ha donat suport en infinitat de títols, tant en la modalitat d'esquema selectiu com en la modalitat de distribució automàtica, i que inclouen pràcticament tota la filmografia de François Ozon. Coneguem a François Ozon i les seves pel·lícules media. Bajo l'arena, la coproducció de Bèlgica, França, Itàlia i Japó del 2001. La piscina, amb la gran Charlotte Rampling, al 2002. Ocho mujeres, un musical del 2002. El temps que queda, del 2005. Àngel, coproducció entre Bèlgica, França i Regne Unit, el 2006. Ricky, amb el nostre Sergi López, el 2008. El meu refugi, coproducció entre França i Itàlia, el 2009. Potish amb Catherine Deneuve, coproducció entre França i Bèlgica, el 2010. A la casa, premiada al Festival de Bonosti el 2012. Jove i bonica, del 2013. Una nova amiga, del 2014. France, una coproducció entre França i Alemanya, el 2016. La Man Doble, coproducció entre França i Bèlgica, del 2017. Gràcies a Dios, del 2019, coproducció entre França i Bèlgica. Verano del 85, del 2020. I finalment, aquesta recent, Toda y Do Bien. Ouais, allô? Quoi? Quand À son réveil, papa pouvait plus se lever et il avait tout le côté droit paralysé. filles... Votre père risque de ne plus pouvoir parler. ni s'alimenter. Je veux que tu es en fini. Tu m'entends Je vais rien faire sans toi, sans ton accord. Rien. De toute façon, c'est à toi qui l'a demandé. C'est un mauvais père. Mais je l'aime. J'aurais adoré l'avoir comme ami. Alors aide-le. Comme une amie. En France, c'est pas possible. Alors qu'est-ce qu'on fait J'irai contact avec une association suisse, mais euh, il faudrait aller là-bas. Très bien. Ça se passera où à Berne. Il faudra me donner une dose forte. Depuis mon pontage, j'ai le cœur très solide. été mon fils préféré. Ah, ah, ah. Les filles, je suis très choquée. Entrez nous, ça expliquer qui pouvait plus changer d'avis. Quoi Mais si, papa, regarde-nous dans les yeux. Mmh. Tu es tellement vilaine, enfant. On pourrait choisir la date. Pourquoi pas en mars C'est la semaine de mon anniversaire. Oh. <laughs> Je veux presque plus bouger. Plus faire les gestes sains de la vie normale. Maman, pourquoi est-ce que t'as jamais quitté papa avec tout ce qu'il t'a fait subir Ouais, oh, qu'est-ce que ça fait du bien Ouais, mettez toute frigo. Non, oh, mais je me sens vivante Tu te rends compte C'est ce qu'on est en train de faire pour lui. On a de faut que se il Varen poder parlar amb François Zon sobre Toy Do Bien i també del programa Mèdia. Creieu que la vostra pel·lícula, lluny de polemitzar en un tema sempre debat, és verdaderament una celebració de la vida i de l'amor? Pour moi, ce qui était important, ce n'était pas de faire un film sur l'euthanasie, mais de faire un film sur la vie. Euh, et le, le paradoxe de cette histoire, c'est que c'est l'histoire d'un homme qui aime tellement la vie qu'il veut mourir. Euh, c'est ça qui m'a touché dans cette histoire. Et ce que j'ai aimé, c'est que le personnage d'André, il, il veut mourir et euh, il n'est pas une victime. Enfin, bien sûr, il est une victime euh, de l'AVC, mais en même temps, il prend son destin en main, il fait un choix et il veut aller au bout de son idée. Et ce qui était intéressant dans cette histoire, c'était la confrontation avec la famille, avec les enfants, et qu'est-ce que ça représente pour les enfants d'avoir un père comme ça qui, qui qui a ce désir aussi fort et qui est pas particulièrement sympathique. Moi c'est ça que j'aimais. Il est assez noir, il est assez sombre, il a beaucoup d'humour, euh, il a quelque chose d'un peu espagnol d'ailleurs. Je trouve par rapport à l'idée de la mort qu'ont pas forcément les Français. D'ailleurs à un moment on parle de Buñuel dans le film et, euh, et moi c'est ça que j'ai aimé dans cette histoire, c'est que finalement c'était pas un film sur la mort mais un film sur la vie qui célèbre la vie paradoxalement. Com de difícil va ser adaptar la història de Todo y do Bien a partir de la història real d'algú tan propi a vostè, com és el cas de Manuel Bernheim, guionista de les seves pel·lícules Ricky bajo l'arena i la piscina. Alors, l'histoire avec Emmanuel, c'est une très longue histoire, puisqu'on s'est rencontrés au moment où j'ai fait Sous le sable avec Charlotte Rampling. Elle m'a aidé à écrire le scénario, notamment toute la seconde partie euh, euh, du film. Et après ça, on est devenus amis. Donc, on a collaboré à nouveau sur d'autres films, dont Swimming Pool. Et, euh, et quand son livre est sorti, euh, quelques années après la mort de, de son père, elle m'a envoyé le livre. Elle m'a dit « Est-ce que ça t'intéresse de l'adapter ?» Parce qu'il y avait plein de réalisateurs français qui voulaient l'adapter. Et elle, elle, elle voulait que ce soit moi et j'ai lu le livre que j'ai trouvé très beau mais c'était une histoire tellement personnelle intime que je voyais pas comment me l'approprier je me disais mais quelle est ma place moi dans cette histoire donc euh, je lui ai dit, écoute je suis sûr que ça a été un très bon film et puis j'avais peur j'avais peur du sujet l'euthanasie euh, voilà j'avais pas envie de penser à ça en fait à ce moment-là de ma vie et donc je lui ai dit, écoute euh, j'ai pas envie de le faire pour l'instant peut-être un jour et donc d'autres réalisateurs français s'y sont intéressés dont euh, Alain Cavalier euh, qui voulait en faire une adaptation. Et hélas, Emmanuel a eu un cancer foudroyant et elle est morte en 2017. Et, euh, et sa mort a été un choc pour tout le monde. Et après sa mort, j'ai eu envie de relire le livre pour, euh, pour la retrouver d'une certaine manière. Et en relisant le livre, je l'ai vu, j'ai lu le livre avec une autre optique que la première fois. C'est-à-dire que le fait de savoir qu'Emmanuel était morte, ça a changé complètement le regard sur cette histoire. Et je me, dis, je me suis dit... Quel impact ça a dû avoir sur sa vie, voilà. Et c'est ça ce que raconte le film. Ça, ça raconte que euh, les enfants ne sortent pas indemnes d'une telle situation quand c'est à eux de porter la mort de, de, de leurs parents. Et, euh, et du coup, là, j'ai eu envie, euh, et peut-être aussi parce que je suis beaucoup plus vieux, euh, voilà, la maturité fait que peut-être je m'approche <laughs> moi aussi de la fin. Donc, je me suis dit peut-être que je, là, à ce moment-là, je suis prêt à, à faire l'adaptation. Des dels seus inicis, sempre heu comptat amb el millor repartiment possible. Catherine Deneuve, Isabel Huppert, Fanny Ardant, Hannah Shigula, Isabella Janier, entre moltes d'altres, i ara Sophie Marceau. Com ha estat treballar amb Sophie Marceau per poder plasmar algú tan proper a vostè com Emmanuel Bernheim? Uh, C'est vrai que Sophie Marceau ne ressemble pas du tout a Emmanuel Bernheim físicament, mais néanmoins, elles ont la même énergie, la même vitalité, et Euh, Sophie a le côté un peu garçon manqué aussi qu'avait euh, Emmanuel Bernheim, très sportive, euh, très concrète. C'est pas une intellectuelle, c'est quelqu'un qui. Voilà qui est, euh, qui, qui, qui est dans l'action, le, dans le, dans quoi dans le physique. Et donc j'avais l'intuition que ça marcherait. Et puis pour moi, c'était important d'avoir une actrice comme Sophie Marceau, qui est très populaire en France, et pour rentrer dans cette histoire. Comme le sujet est difficile, je me disais, le fait d'avoir une actrice comme Sophie, que tous les Français aiment, parce que c'est l'actrice préférée des Français, les gens allaient rentrer plus facilement dans l'histoire et mieux l'accepter et la comprendre droit à mourir dignement aurait pour tout Moi, ce qui m'a choqué dans cette histoire, quand j'ai fait une enquête et que j'ai vu comment ça se passait en France, je me suis rendu compte que, bon, déjà c'était illégal, comme en Espagne, bon, on est deux pays très catholiques, donc la religion catholique est très présente et empêche euh, qu'il y ait euh, une ouverture d'esprit là-dessus, je pense. Et, euh, et ce qui m'a particulièrement choqué, c'est que je me suis rendu compte que des personnes pouvaient le faire si on avait de l'argent. Donc, il y avait une injustice économique en plus. Donc, à partir du moment où les choses peuvent se faire, il n'y a que les gens riches qui y ont accès, il faudrait que la loi permette que ce soit accessible à tout le monde et que ce soit très encadré. Après, il ne faut pas faire ça n'importe comment il faut que ce soit euh, intégré dans un protocole médical très strict. Et je... Mais en fait, quand vous discutez avec les médecins, vous vous rendez compte qu'il y a très peu de gens qui veulent mourir. Euh, tout le monde s'accroche à la vie. Jusqu'à la fin, il y a peut-être 10% des gens qui vont jusqu'au bout. Donc finalement, quand on regarde les pays qui ont accepté, qui ont légalisé l'euthanasie, il n'y a, a pas un surplus de morts sous forme de suicide assisté. Donc, euh, donc oui, j'espère que les choses vont changer en France et dans, et dans les autres pays. Mais bon, je pense que c'est un long chemin encore. L'Ivan, par 3 de ses collaborateurs habituels dans la filmographie. La première, Charlotte Ramplin. Charlotte, c'est une actrice que j'ai découvert aussi au moment de « Sous le sable euh, », le film que j'ai écrit avec Emmanuel Bernheim. Et d'ailleurs, si euh, Charlotte a accepté de jouer dans « tous s'est bien passé », alors que c'était un tout petit rôle, c'était par rapport à notre histoire avec Emmanuel Bernheim et par rapport à « Sous le sable ». Parce qu'au début, elle m'a dit « C'est quand même un peu petit ». Et puis après, elle m'a dit « Bon, je le fais parce que c'est Emmanuel et parce que c'est toi ». Donc ça, c'était très bien et… Euh, Charlotte, bah, c'est devenu aussi une amie avec le temps. On se retrouve régulièrement. Et euh, ce que j'ai découvert avec Jean Trampling au moment de Sous le Sable, c'est que c'était une actrice qui n'avait pas besoin de surjouer. Voilà, les, il se passait des choses intérieurement. Euh, il suffisait juste de la regarder pour, euh, pour imaginer, pour faire fiction. Et ça, c'était c'est ce que j'ai toujours trouvé intéressant avec elle en tant qu'actrice. Al Saron, al compositeur Philippe Rambé. Philippe Rombi bah, c'est un musicien avec qui euh, j'ai commencé à travailler, je crois pour les amants criminels. On se retrouve régulièrement. Euh, là il n'est pas sur euh, tout s'est bien passé ni sur le prochain mais pour un prochain film on va se retrouver et c'est un musicien que, que j'aime beaucoup parce qu'il est très sensible, il a le sens de la mélodie et ça c'est quelque chose d'assez rare et, euh, et c'est quelqu'un qui, euh, qui n'a pas d'ego qui dit pas: euh, je te donne la musique et tu changes rien non il adapte tout le temps on peut discuter avec lui on peut parler instrument on peut parler mélodie et donc c'est un travail très constructif. yalterce la seva distribuidora de capsalera españa golem ah golem alors golem bah oui c'est mon distributeur depuis plusieurs années je m'entends très bien avec eux à chaque fois ils soutiennent bien mes films et ils les travaillent bien donc je suis très content de continuer avec eux j'espère que ça va continuer.

Euh, dans la maison aussi était un très gros succès et c'était euh, à Saint-Sébastien. Donc euh, voilà, j'ai eu la chance d'être sélectionné dans tous ces festivals. À chaque fois, c'est un plaisir. Et euh, après, je pense que c'est toujours plus compliqué pour les films français quand ils sont à Cannes. Voilà. Mais en même temps, euh, euh, un film comme Swimming Pool ou Jeune Géolie ont très bien marché euh, après Cannes. Et c'est vrai que les festivals permettent après de toucher un très large public et beaucoup de pays en même temps. Donc c'est toujours une chance de pouvoir y participer. Toutes vos films ont circulé par l'Europe vers la main de la distribution. Et en Espagne, avec Golem, en Cap d'Avan. Dites-nous, elles traînent en salles ou en plateformes Pour moi, c'est très important de soutenir la salle aujourd'hui et euh, je continue à faire des films pour le cinéma. Et, euh, et je trouve que ce qui est très compliqué, c'est de voir des grands cinéastes comme Martin Scorsese, Jane Campion, euh, voilà, qui acceptent de travailler pour les plateformes et ça, je pense que ça fait beaucoup de mal au cinéma d'auteur et au cinéma d'auteurs européens. Euh, alors je comprends qu'ils aient des difficultés à faire leurs films dans leur pays, mais euh, euh, moi, il me semble qu'il faut continuer à faire des films pour le cinéma et, et pour l'instant les plateformes, c'est un peu vendre son âme au diable, hein, parce que si les gens ne vont plus au cinéma, ne vont plus dans la salle, voilà les gens vont regarder les films sur les téléphones. et moi, j'aime l'expérience de la salle et de partager le public avec euh, le film, avec le public programme sur la circulation et la, la promotion Oui, le, le programme Média est très important pour le cinéma d'auteur en Europe et c'est vrai qu'en France le, le cinéma est considéré comme un art et il y a beaucoup de soutien et euh, on espère que le, le... mais le système euh, euh, de soutien en France est viable aussi économiquement. Ça crée des richesses, c'est pas euh, c'est pas juste de l'argent qu'on donne aux artistes, c'est vraiment euh, un argent qui permet à des films de se faire et à faire en sorte qu'il y ait une vraie économie et une industrie du cinéma. Parce qu'on a eu un ministre de la Culture qui était très important sous, sous De Gaulle, euh, qui s'appelait Malraux et qui disait le cinéma, c'est un art et une industrie. Et je pense qu'en France, on marche sur les deux jambes. Et ce qui est dommage, c'est que dans d'autres pays européens, on sent qu'il y a un abandon de l'aspect artistique, on n'est que dans un aspect industriel et du coup euh, le programme média peut être utile justement pour soutenir euh, certains cinémas européens et euh, faire en sorte que euh, les films européens circulent. Je pense que le cinéma européen euh, voilà, est représentatif des pays. Donc il y a une culture qu'on qui, qui, qu peut découvrir à travers le cinéma européen et, et, et l'Europe, c'est plein de pays différents. Euh, voilà pour pour les américains pour d'autres continents l'europe c'est un grand euh, c'est un seul continent mais en fait non il y a tellement de cultures différentes un film de almodovar un film de bergman un film de de nanni moretti euh, voilà et c'est très très différent donc à chaque fois ils sont représentatifs de leur propre pays donc euh, la richesse du cinéma européen je pense qu'il faut la il faut la soutenir et euh, et euh, nous, on a la chance en France de voir beaucoup de films européens et voir d'autres films que, que, que les films français et les films américains. Une question particulière. C'est-à-dire que euh, moi, j'ai la chance d'avoir des producteurs qui me soutiennent. J'ai la chance de faire des films qui ne sont pas trop chers. Donc souvent, je lance la production alors que le scénario n'est pas complètement terminé. Voilà. Mais je suis pas représentatif. voilà. C'est ma manière de travailler. Moltes gràcies. Merci beaucoup, Messieurs Ozon. Tot ens ha anat bé amb vostè. Li desitgem molt l'èxit a la Berlinale i a tots vosaltres us convidem a les sales de cinema per veure Todo y do bien. En nom d'Europa Creativa d'ESC Media Catalunya, volem agrair a tot l'equip de Golem que ha fet possible aquesta trobada i a Matilde Ranger per la seva amable traducció. Gràcies.